Bonjour. Là, je fais cette mini vidéo pour répondre à ces internautes-là depuis quelques jours, en fait, qui m'ont posé la question par rapport aux attaques. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les attaques mystiques et tout? Parce qu'ils ont pu voir mes vidéos sur les attaques mystiques. J'ai expliqué et je vais encore réitérer mes propos pour éventuellement non seulement répondre à ces personnes-là et puis vous éclairer en plus parce que en tant qu'être de lumière, c'est quelque chose qu'on a fréquemment. Il faut savoir gérer les attaques parce que les attaques nous permettent d'être propulsés en fait. Ça nous permet de voir, voilà, quand l'ennemi s'agite comme ça, il faut savoir que il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc c'est eux qui nous ils savent même pas qu'ils sont utilisés en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Excusez ma tenue, moi je viens de finir de faire ma gym. Donc voilà. Et comme j'ai eu l'inspiration, du coup je vais répondre comme ça va éclairer plus d'une sur le sujet. Il faut comprendre que en fait, quand on est un être de lumière, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que tel, en fait, ceux qui nous attaquent, ce sont des personnes qui sont en fait faibles d'esprit. Ils sont non seulement faibles d'esprit, mais vides à l'intérieur. Il n'y a rien. C'est des personnes qui n'ont aucune, comment je vais vous dire ça? Ils n'ont aucune assurance. Et leur vie est tellement vide que pour se sentir intéressant ou bien pour attirer votre attention sur leur personne, ils essayent de vous attaquer et deux fois même vont chercher des alliés. Aide-moi à détester pour venir vous attaquer. Pourquoi? Parce que vous avez une lumière énorme. Vous avez une puissance qui est inexpliquée. Et du coup, pour eux, ça ne leur plaît pas. Ça, vraiment, je peux vous rassurer là-dessus parce que j'ai souvent été victime de ces attaques-là. Eux-mêmes, ils ne savent pas que quand ils font leur micmac là, moi, je suis prévenue d'avance. Voilà. Et pour gérer ça, c'est aussi simple que ça. Vous ne leur accordez aucune espèce d'importance parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent que vous venez nourrir leur ego. Mais moi, je nourris pas leur ego. Je vous ai dit dans certaines de mes vidéos. La semaine passée, j'étais très attaquée. Ils gesticulent de partout là. Voilà, ça vient même chez moi. Ça amène des associations farfelues, des trucs qui n'ont ni tête ni queue, juste pour venir me montrer qu'ils sont là. Il y en a qui vient fouiller ma maison, faire mes comptabilités, qui vient regarder ce que je gagne et tout. Et tout ça, ce sont des agitations. Moi, j'appelle ça le bruit du sachet. Oh, personnes qui ont une énergie très basse. Donc, faut pas leur donner votre énergie. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Ils cherchent à vouloir, voilà, que vous leur donnez votre énergie pour qu'ils puissent, eux, se... nourrit leur ego. Faut pas leur accorder ça du tout, du tout. Autour de vous, c'est parce que vous êtes puissante. Parce que vous êtes non seulement puissante et extrêmement forte de l'intérieur. Je sais de quoi je parle. Parce que, en fait, c'est à quoi que si tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça vous prouve, ça devrait déjà vous rassurer, vous, sur votre puissance. Sur ce que Dieu a mis en vous. C'est quelque chose de grandiose. C'est inexpliqué. Pour eux, en plus, quand ils voient que c'est une Africaine qui a sa masse, ça bouillonne là-dedans. Ça bouillonne. On ne peut rien pour eux. On ne peut rien. Parce que, en fait, ils vont toujours essayer de vous attaquer, de vous combattre. Et en plus de ça, vont chercher des alliés, en fait, hein, pour pouvoir vous combattre et tout. Mais il n'en est rien. C'est votre lumière qui éclaire leur obscurité.
Voilà, comme ça éclaire l'obscurité qui est dans leur vie, leurs démons sont dérangés. Du coup, ça bouge de partout et tout et tout et tout. Voilà. Et voilà. Tout ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils font déjà d'ailleurs, c'est juste vous critiquer. Essayer de vous critiquer et tout. Tout ça, c'est juste pour nourrir leur ego. Voilà, c'est pour nourrir leur ego, c'est rien d'autre. Voilà, ils vont, ça nourrit leur ego et ça leur rassure du fait que ils te critiquent et tout, et essayer de salir ton nom et tout, mais alors qu'il en est rien en fait. Même si t'entends, on va traiter de tous les noms d'oiseaux. Hein. Moi, je vous dis ça parce que ça, c'est des choses qu'on m'a déjà fait, mais qui continuent d'ailleurs. Moi, je les regarde comme ça. Parce que, en fait, c'est vous qui êtes choisi. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est rien du tout. Sans vous, ils sont zéro. Que ce soit dans votre famille légitime, que ce soit les amis, que ce soit... Quand vous arrivez quelque part, ça éclaire. Ça apporte la lumière. Et du coup, ils sont même dépassés, ils disent, mais depuis là, c'est comment? On était là pour nous tranquille. Mais dès que Mariama est arrivée, mais c'est incroyable. Comment l'ambiance a changé et tout. C'est comme ça. C'est un truc que nous-mêmes, en tant qu'êtres de lumière, on nous a choisis pour servir. Voilà, c'est pas qu'on est des super-humains. On est supérieur par rapport à ce truc-là. Que Dieu a mis en nous, qui est inexpliqué, c'est une lumière divine en fait, qui fait que ça ne s'achète pas. C'est pour ça que tu vois tous les rosicriciens francs-maçons là, ça gesticule autour de moi là et tout. Mon Dieu! Ça gesticule et tout, il y en a même qui dit, oh non, je vais te faire ci, je les regarde comme ça. Le manoir ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour attirer votre attention, en fait. Faut pas tenir compte de ça, en fait. Leur jalousie et tout cela, c'est non fondé. Parce que quand tu es une belle personne, quand tu es une belle personne et que tu es bon, et que tu as un bon cœur, rien ne peut t'atteindre. Ils peuvent toujours monter, descendre, regarder, appeler les procureurs, les commissaires et tout et tout. Toi, le procureur de ta vie. C'est le big boss. C'est le big boss qui gère tout. Donc, ne te fatigue pas. Comme moi, j'ai compris que je sais maintenant qui je suis, je ne me fatigue plus. Je ne me fatigue pas du tout. Pour celle qui me dit que elle est beaucoup attaquée dans sa famille et tout, je viendrai tout simplement te dire que ne leur réponds pas. Elle dit qu'elle donne tout à sa mère et que même sa mère ne la... Elle donne tout, elle paye, elle a même payé la maison et tout, voiture et tout, mais sa mère ne la considère toujours pas. Ma chérie, tout ce que je peux te dire, ce que tu es en train de dire là, je suis en train de répondre. C'est, ta mère ne t'aime pas parce que vous n'êtes pas de la même... Vous n'êtes pas de la même obédience. En fait, vous ne sortez pas en vampire ensemble, si je peux dire comme ça là. Vous ne faites pas la sorcellerie ensemble. Dans la nuit, quand elle sort, elle a ses autres enfants avec qui elle part. Toi, tu ne pars pas avec eux. Toi, tu ne pars pas avec eux. Tu n'es pas dans leur association. C'est ça. Moi, j'ai fait ça pareil, ma chérie. C'est que je suis en train d'expliquer là. Quand je dis ma chérie, c'est parce que c'est une qui m'est proche et que voilà. C'est pour ça que je me permets. En fait, c'est pas parce que c'est ta mère ou bien parce que c'est ton père qui va forcément t'aimer. Non. Quand ils voient déjà que tu as découvert la personne que tu es et qu'ils ont tout essayé depuis ton enfance de pouvoir éteindre ça, et comme Dieu faisant, tu as découvert que tu étais quelqu'un qui avait quelque chose de spécial, donc que tu es un être de lumière et en plus tu es connecté, ça ne leur plaît pas. Moi, pareil, moi, j'ai été combattue dans ma famille comme pas possible.
par des étrangers. Mes propres parents me combattaient. Parce que je faisais des choses que eux, à leur âge, à mon âge, n'avaient pas encore pu, pardon, le faire. Tu as beau acheter la maison, tu donnes à ta mère, tu lui payes les voyages partout, partout, même les vêtements. Je soulevais même les valises des vêtements ici en France que je m'en vais déposer. Quand tu déposes, quand tu reviens même que tu as déposé chez toi, elle vient se servir. Elle vient même dans ta maison faire les trucs pour que tu n'évolues pas. Mais quand tu vois que c'est la personne, soi-disant, qui est censée te protéger, qui fait ça, tu vas dire quoi? Tu vas dire ça comment? Tu ne dis rien. Tu regardes tout simplement, vu et ignoré. Voilà. Tu fais vu et ignoré et puis tu passes ton chemin. En fait, il faut savoir qu'en tant qu'être de lumière, on a un bouclier comme ça autour de nous. Et ce bouclier-là est divin. Malgré tout ce qu'ils ont fait, le nombre de féticheurs et marabouts qu'ils ont déjà vus sur ma personne, c'est incroyable. Et ils continuent. Moi, je suis assise là, je les regarde. Je les regarde. Je vois comment ils montent, ils descendent. Donc, même quand tu leur envoies l'argent pour dire que prenez cet argent-là pour payer ne fût-ce qu'un sac de riz ou bien ils prennent ça pour aller chez les marabouts. Ils préfèrent mourir de faim. Prendre l'argent que tu leur as envoyé pour aller chez les marabouts sur ton nom pour que tu n'évolues pas parce que tu vis en Europe avec les enfants et tout et tout. La mentalité de ça, tu ne peux pas. Quand tu vois que c'est comme ça, tu fais vu et ignorer. Tu ne dois pas continuer à nourrir les personnes qui sont toujours en train de vouloir te rabaisser. Non, mais du tout. Ça n'a pas de sens en mon entendement. Ça, ce sont des choses que nous, dans nos familles africaines, on les vit quotidiennement. Il y en a beaucoup qui m'écrivent comme ça. J'en parle aujourd'hui parce que la personne qui m'a écrit est quelqu'un de très proche. Donc voilà, je fais cette vidéo vraiment pour te rassurer. Faut savoir qu'ils ne peuvent jamais éteindre ta lumière. Ils peuvent à beau tout faire. Ils peuvent critiquer. Chercher les aides-moi à détester pour te détester. Tout ça là. Mais ce que Dieu a mis en toi là, c'est pour toi maman. Tout ce qu'ils font autour là, c'est caduque. C'est ça que je tenais à te faire comprendre parce que tu as une protection divine. Il faut savoir aussi que quand tu es quelqu'un qui réussit tout, tu es quelqu'un qui a une belle vie, qui vit bien, tu n'as pas le temps d'aller parler mal de l'autre. Ta vie est tellement excitante et puis c'est pimenté que comment tu vas aller chercher à nuire l'autre tellement que ta propre life est en action. Il faut comprendre que les gens qui font ça là, ce sont des personnes qui sont non seulement qui sont mal dans leur être, que leur vie c'est carrément un vrai chantier. Je dirais ça comme ça. C'est un vrai chantier en fait. Et c'est pour ça qu'ils cherchent des alliés et tout pour te détester gratuitement. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est ta lumière qui les dérange. Tu n'as rien fait du tout. Du tout, du tout. Tu n'as rien fait. C'est ta lumière qui est à l'intérieur. Quand ils voient ça, ils ne supportent pas l'effet que tu réussisses, l'effet que tu brilles. Ils ne supportent pas. Mais ils ne peuvent rien contre ça. Parce que la lumière que tu as, c'est le Big Boss qui te l'a donné. Et tes ancêtres qui t'ont choisi pour amener chez le Big Boss, que voilà la personne qui va nous représenter. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le bruit du sachet. Il faut savoir que, voilà, que la misère, en fait, elle n'est pas uniquement financière. La misère, elle est aussi, elle est mentale. Parce que quand tu leur envoies l'argent pour dire que tu veux les aider, leur donner un coup de main, ils prennent ça pour amener chez le marabout. Quand ils sont en train de faire ça, ils tuent qui? C'est qui? C'est pas eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont en train de voir. Ah, c'est la misère mentale, maman.
C'est la misère mentale. Et les personnes qui sont en train de te combattre, là, ce n'est pas les membres de ta famille. Ah, c'est la misère mentale. Parce que toi, quand tu es en haut, quand tu as quelque chose, n'est-ce pas, tu penses à eux. Et même quand tu penses à eux, tu leur donnes là. Ils pointent ça pour amener chez les marabouts. Faut faire vu et ignorer. Voilà. Moi, ce que je fais, je bloque. Je suis champion pour ça, pour bloquer. Moi, je ne perds pas mon temps. Je bloque directement. Ça, c'est une option que j'adore, moi, sur les réseaux. Je bloque facilement. Donc, voilà. Il faut déjà que tu comprennes que leur agitation à ton sujet est autour de toi comme ça. Quand ils sont agités, ça t'appelle, ça envoie les gens chez toi, machin et tout. Ça doit te prouver suffisamment que tu es puissante. Que tu as une grande puissance. C'est ça. Ça les fait trembler comme ça. Ta puissance les fait trembler. Voilà, parce que ça les dérange en fait. Ça les fait, ça brûle leurs démons là-bas à l'intérieur. Ils sont peinés, ça chauffe. Voilà. Ça chauffe du fait que, voilà. Que tu sois en train de réussir tout comme ça, ça s'agite, ça tremble. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a une abondance qui est en train d'arriver, maman. Tu restes seulement tranquille, tu regardes, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Tu là, ils viennent, ils vont venir te poser 50 000 questions. Dis, donne-les même tout, explique-leur ta vie. S'ils envoient les gens chez toi, comme chez moi, là, on envoie les gens. Je leur explique tout. Ils fouillent tout. Je dis, si vous voulez, je vous donne même la maison, vous restez dedans. Puisque c'est ça qui vous intéresse. Apparemment, ma vie vous plaît tellement que vous avez envie de savoir si je me lave, si je mange, si je ne mange pas. Vous voulez connaître. Donc, je vous explique. Peut-être que ça va vous aider à vous sentir bien. Je ne sais pas. Et mon Dieu, ils ne font que me faire rire, en fait. Il faut savoir que c'est une lumière divine. Voilà. C'est une lumière divine. Personne ne peut rien contre ça. Ils peuvent à beau gesticuler là. C'est zéro, macabo, maman. C'est zéro. Donc voilà. Il faut savoir ça. La personne qui a le secret de ta lumière, c'est le big boss. Lui qui est en haut là-bas, c'est lui seul qui a le secret. Personne n'a le secret de ça. Donc, il faut déjà savoir. Il ne supporte pas de voir un être de lumière briller. C'est pour ça qu'il faut rester focus. Il faut rester focus sur tes objectifs et les laisser gesticuler. Ça, par contre, c'est leur boulot à plein temps. Ah, c'est leur boulot à plein temps. C'est le boulot que nous autres, les êtres de lumière, on leur donne à plein temps. Voilà. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous éclairer. Et en plus, ça va éclairer la personne qui m'a écrit là, qui, voilà. Faut pas te... Ne te prends pas la tête par rapport aux attaques. Il faut juste gérer ça dans le calme, dans la méditation, en faisant ton travail spirituel, bien évidemment. Ne leur réponds pas parce qu'ils ne valent pas la peine, sinon ça saurait. Hein. Donc voilà, laisse-les faire leur part de boulot qu'ils sont venus faire sur terre. C'est voilà, c'est ça. vraiment, je vous partage en même temps ma bonne humeur. Je viens de faire ma gym, donc je suis, voilà. Bon, merci beaucoup et j'espère que vraiment cette vidéo va vraiment vous éclairer et que ça va aussi éclairer cette dame qui est vraiment en pleurs parce qu'elle a attaqué continuellement. Moi-même, je suis attaquée tout le temps, mais ils ne font rien. Ça, c'est, voilà. Quand tu attaques comme ça, il faut savoir qu'il y a une grande abondance qui est en train d'arriver, gesticule, pour que tu puisses te mettre en colère pour pouvoir bloquer ton abondance. Ne te mets pas en colère, hein. Faut les regarder, tu fais vu et ignorer. Donc voilà, ils vont tous sortir de leur grotte, mais ça n'empêchera pas que tu vas réussir ta vie. C'est ainsi ta destinée qui a été décidée par le Big Boss là-haut. Personne ne peut. Personne ne peut éteindre ta lumière. C'était Mariama. Bon dimanche. Merci, bisous.